Cette année, en raison du Covid-19, point de destination lointaine. Je reste en France. Je prends donc une semaine de vacances et gagne en voiture Blois, qui me servira de base pour visiter, comme on peut le voir sur cette carte, les principaux châteaux de la Loire, faire un tour en montgolfière, voir une champignonnière, ainsi que le zoo de Beauval. Clairement,
Thank you.
Nous vous prions, afin de ne pas gêner les autres spectateurs, bienvenue à tous ceux qui ce soir ont choisi de franchir les portes du château de bois. Que l'on associe sur la façade de la cour intérieure les fleurs de lys aux hermines.
Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire durant l'intégralité de votre visite. Merci également de respecter la distanciation avec les autres visiteurs. Nous vous remercions de votre coopération et vous souhaitons une bonne visite.
Madame Cato. T'as vu les chevaux? C'est quand il le dit, je suis ah ben oui, il n'y a pas les côtés. Oui, il est tout petit en fait. Thank you.
Ces mensen geen hoogte vrezen, man. Nu doen we het wel een vertige. Pour monter dans la nacelle, on passe par les marchepieds qui sont là. Pied gauche, pied droit. On monte dedans. Dès que vous êtes dedans, je vais vous demander. On va vers le château de Chaumont-sur-Loire. Je vais chauffer un petit peu moins. Ouais. Pour l'instant, je ne l'ai pas, les quatre. Dans ce sens-là, ça ne veut pas dire que tu vas aller par là. Hein. À 5. Voilà, on est déjà passé à 5. Hein? Oh, mais c'est plutôt Paris en fait, hein, parce qu'on est, on est pas loin de Paris. D'accord. Alors, on peut voler l'hiver, c'est même mieux pour la montgolfière. Et là, déjà, bah, les deux ballons, c'est une autre compagnie, et puis bah, les trois autres qui. Bon, ça dépend aussi. On peut tomber sur des gens qui sont super sympas et on peut tomber aussi sur des gens. En fait, on peut mettre un coup de brûleur avant, après, et puis bah, on nous entend même pas. Vous avez aussi bah, la ville d'Amboise qui est derrière. On a encore une photo avec les ballons derrière. Ok, merci.
magnifique. Hein. Il y a un lièvre. Comment il décrit? Il fait quoi? Il panique. Le lièvre là. Attention. Alors, vous vous mettez en position. On repart. Alors, et voilà. Wow. Si, on s'arrête comme ça. On fait comme ça. On est bien. Alors, vous êtes libre, vous pouvez commencer à rester là pour l'instant. Sur moi, parce qu'il faut que je puisse faire ça sur l'air du ballon. Et si jamais vous êtes trop devant moi, on va faire des bouchons et du coup, je ne pourrai pas faire ça sur l'air. On va faire ça juste nous. On va faire glisser par un ballon. Clément, tu peux tirer sur les côtés un peu, s'il te plaît? Maya.
Thank you.
que c'était. Là, il y a un petit nid d'hirondelle là. Thank you.
J'ai l'impression qu'il est parti. Sur les vitres. Non. Quelle est la différence entre le DVD principal et pour cela, il utilise plusieurs types de marquage. Donc déjà, il y a des marquages olfactifs, sonorines. Donc il étale sonorines un peu partout dans les territoires pour montrer aux autres mâles par l'odeur que ce territoire-là est déjà de quelqu'un. Avec ses excréments, il fait pareil. Et en plus, il veut assurer la reproduction, parce que c'est un mâle lion, pas de reproduction possible. Chez les lions, il n'y a pas de saisonnalité. Ils ouvrent bien les lèvres et comme ça, ils sont en train de détecter les odeurs qui sont dans l'environnement avec cet organe qui se situe au niveau du palais. Donc les lions, ils le font aussi, ces flemmes. Soyez attentifs au marquage au sol.
Oh, pardon.
comme le moustique. Ouais. Ça attire certaines personnes. Ouais. Je sais pas, c'est l'odeur de peau. Thank you.
Vas-y, celui-là. Je suis parti.
paye pas encore une deuxième fois, j'espère. Non, j'ai pas payé. Voilà. Et il paye 9 euros, il appelle la mauvaise personne. Thank you.